I think Madlansk didn't play as well so far. At the same time, I think they are playing better than we were playing last split, so I would say that we should be the favorites. Humanoid slides forward, still has the Emperor's Divide in the flash, but he doesn't need either. Humanoid is so damn big. We've been missing a bit of confidence because we lost a lot of games in a really bad style, so I think this win can help us to get some confidence back. I care about that, Orianna, I don't care, because Super's unleashed, it's fire again! Mad finally get a bit of a charge in this split and won't be defeated today. It's like do or die. If we just play as we know, we will win, and if we don't win, it's something ice again that we can learn at least. In playoffs, we are still able to win it all, so I'm really confident that we can turn it around. Azog wants to try and disengage, but he already used the ult to flick back! Oh! It's still Humanoid, baby! He played better than me in our series, so I would like to show him who's the better player. Game qui n'a pas d'enjeu pour les deux dernières places du LEC, puisque Madlands vient de se qualifier sans même avoir joué, puisque dans tous les triangulaires, etc., il pop tout en dessous. Ce qui fait qu'ils sont, quoi qu'il arrive, minimum 7e, même après une défaite de ce LEC, et donc pas dans les places, enfin 8e, pardon, et donc pas dans les deux places où c'est ciao. Tout à fait. Ciao. On verra si on va avoir le droit à des pics un peu plus spicy du coup. Pour l'instant, c'est du standard avec cette Talia tout de même. Qui est open et qui est un petit cadeau pour les Fnatic, parce que on sait que Erazork et Humanoid sont très talentueux sur le pick. C'est l'un des first picks préférés, je pense, pour les Fnatic actuellement, cette Talia. Attends, je vois que le chat demande des explications. Déjà, je vais vous dire qu'il y a quand même un peu d'enjeu, j'ai un peu menti, parce que l'enjeu est du côté de Fnatic, vu qu'ils sont top 1 à 100% si jamais ils gagnent, ce qui est cool. Et en fait, pour Madlands Coin, juste quand il y a une triangulaire qui va se jouer, ça va toujours être en deux matchs avec, tu sais, un mec qui attend au-dessus, oui, et les deux en dessous. Et même si ça va être en quatuor ou quoi, si jamais il y a cassé, etc. En l'occurrence, Madlands, j'ai pas forcément les raisons, mais sur les résolutions qu'on nous a envoyées du LEC, finit toujours au top. Donc en fait, ils sont quoi qu'il arrive au-dessus. Il reste actuellement 4 équipes, donc quoi qu'il arrive, ils passent. Parce que dans tous les 3-3, c'est, ouais, eux qui vont toujours être au-dessus des résolutions et qui vont être le dernier match, ce qui fait qu'ils sont jamais dans les places relégables. Là où sont actuellement les SK, les Rogues et la Carmine pour le moment, totalement dernière. Mais si jamais ils gagnent leur partie, ils seront en tie-break. Et il reste du coup une place. Mais t'es sûr, sachant que sûr, ouais, si head-to-head compte pas, ils sont pas assurés. Ouais, mais dans la résolution de comment les tie-breaks se font, eux ils sont tout et la personne qui a fait la résolution ne s'est pas trompée à 100%. Bah, c'est, en fait, c'est les. C'est source Riot. C'est source Riot. Ok. Bah, donc, si d'après Riot, Mad est qualifié. Vous avez compris ou pas? Non mais okay. Le chat t'as pas compris. Bah d'après Riot, en fait, en gros, je vous explique. Là actuellement, il reste une place pour 3 équipes. Ces 3 équipes sont Rogue, SK et Carmine Corp. Il reste une place pour ces 3 teams, si KC gagne. Et il y aura des tie-breaks, etc. Ça va être résolu entre eux. Le truc, c'est que Madlands, même s'ils perdent et qu'ils sont sur le papier en tie-break avec eux, ouais, quoi qu'il arrive, ils sont tellement au-dessus de la résolution qu'ils jouent les matchs d'après. Et donc en fait, ils sont. C'est quelle règle qui. Enfin, c'est quel. Ils vont être passés en 7ème quoi. C'est quel fact qui fait que dans la résolution, ils sont au-dessus avec le même nombre de. Eh bien. La 7ème place mais est automatiquement en dehors de ce fort. Oui, mais c'est pas ça, mais comment elle l'aurait attribué pourquoi la 7ème. Sont-ils 7ème? Est-ce que c'est les vis-à-vis ou est-ce que c'est les. C'est les head-to-head plus le fait qu'ils ont battu des grosses teams, on nous dit. Ok. Bon, écoutez, en tout cas, dans la résolution, Mad est tout le temps devant, donc respect à eux, ils sont passés, il reste une place pour 3 équipes, force. C'est comme ça que ça va se passer. Même moi, j'y comprends rien. En gros, résumé rapide, mais c'est les personnes, on vous dira plus précisément après, mais les personnes, enfin les équipes, pardon, que les Mad ont été capables de battre, font que bah, apparemment dans tout ce bordel, exactement, ils sont 7ème. Et du coup n'auront pas à galérer avec les autres pour se qualifier. C'est vrai. Source Riot. Exactement. Voilà. Ce qui est relativement sad, enfin c'est dans un format de BO1, il doit pas y avoir. Ouais, après, tout le temps dès qu'il y a un free way tie, ça se résout toujours par. Il y a un mec qui attend au-dessus. Et les deux qui se jouent pour jouer le mec, ça se résout toujours comme ça. Mm-hmm. Tous les tie-breaks en freeway. Sinon tu devrais rejouer tout le monde, ouais, mais ça peut refaire égalité, format-là, ça peut rebloquer, ouais, tu vois. Je comprends, je suis d'accord avec toi, mais ça aurait dû être cassé. Ça aurait dû être cassé ce format-là, tu veux dire, de freeway tie. Non, juste que dans ce format-là de BO1, déjà le format global est frauduleux, dans ce format-là,
une équipe qui a le même nombre de victoires qu'une autre ne doit pas avoir un avantage pour savoir si elle passe ou passe pas, tu vois. Enfin, vu que tout le monde s'est joué qu'une fois, il n'y a pas de match aller-retour et tout. Tu vois, c'était avec des matchs aller-retour en 18 games et tout, oui, tu vois. Mais ici, je trouve que c'est un peu abusé qu'il passe en fait par défaut avec le même nombre de victoires que d'autres, tu vois. Enfin, c'est juste logique. Moi, je te rejoins, hein. Je sais pas si c'est avec ça. Mais d'ailleurs, la draft. On parle. Mais la draft. Oui. La draft de Ftatic, avec petite Leona sur June, giga agressif avec une Kai'Sa. Ah ouais. Talia, etc. La draft Ftatic, elle est gotée. Elle est légendaire. Hein. Là où la draft Madeleine Skoy, elle me convainc moins, vois-tu. Petite Leona qui fait plaisir. En plus, les ulti Leona font pas mal le taf contre Renata. Ça va être un peu son cauchemar cette partie. Ça se combine bien aussi avec Talia, Kai'Sa. Donc franchement, la synergie des picks Fnatic est excellente. En plus d'avoir des lines ok, en plus d'avoir des picks forts surtout. Vraiment très belle draft de leur côté. Après bon, avoir un first pick Talia, quand tu t'appelles Fnatic, ça permet de ne pas trop se rater en draft en général. Mm-hmm. C'est clair que le champion est très très fort. Allez, l'écran du fond, la régie de Berlin du LEC. Ah ok, d'accord. Petit flop. Pas d'entrée en game malheureusement pour le moment. Je me dis qu'il y a une petite pause. Qui est le tech qui saute là? C'est une bonne question. Alors, ça arrive fort, ne vous inquiétez pas. Le match of the week aux enjeux phénoménaux. Ah, du coup, c'est horrible en plus qu'il n'y ait pas d'enjeu. Enfin, il y a quand même l'enjeu pour Fnatic d'être top 1 du split, du coup d'être seed 1 de son groupe et de pouvoir choisir ses adversaires et compagnie. Mais bon. C'est quand même pas ça. Donc là, on est en train de demander à Riot pour vous expliquer exactement le pourquoi du comment Madeleine s'est au-dessus dans toutes les résolutions de tie-break. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça ne changera pas la team. Madeleine se passe. C'est comme ça. C'est pas nous qui sont la règle. C'est comme ça, c'est un peu ça. On vous donnera la précision exacte après, parce que c'est vrai que... À la virgule près. On lira le texte à la virgule près. Let's go. Si, on lira le texte à la virgule près. Ce que le mec de Riot va t'envoyer, PHNT, on le lit à la virgule près, je t'assure. Je leak littéralement le mail ou la convo oui. Sur le... On le tweet même. Sur la scène OBS. On le tweet, et on tweet d'ailleurs l'adresse mail et tout, tout, tout. Et on le... On vous l'envoie. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Comme résolution. Ah, t'as forcément envie d'hurler si t'es à la place des autres équipes. Tu bah vois, oui, carrément. Pourquoi tes victoires auraient moins de valeur que celles des autres, tu vois. La valeur des victoires dans ce split de LEC, bah oui, dans ce format, est très particulière. Sûr. Bah oui. Parce que là actuellement, du coup... Mad Lions, ça. Enfin, typiquement, Rogue, ils ont battu G2. Ils devraient se dire, mais attendez, j'ai battu G2, ma valeur de victoire doit être insane. Mmh. Ah, pas du tout. Après, peut-être qu'il y a eu un. Peut-être que les points un peu sombres de draft ont été faits en fonction du fait qu'il s'agissait de Mad Lions, une équipe qui apporte un minimum d'audience en LEC, tu vois, je sais pas. C'est juste une petite théorie. Ah, mais dans ce cas-là, est-ce que ça apporte plus ou moins que Carmine, tu vois, par exemple? Attends, c'est Secure 1 des 2. Secure 1 des 2. Non, mais tu vois ce que je veux dire? En mode complot? Non, en vrai, je sais pas, je dis non, ça pour rigoler. Non, mais évidemment qu'il n'y a pas ça, c'est 100%. Parce que je sais que le chat, ils adorent lâcher des théories comme ça de match fixing et compagnie. Mais en vrai, on sait pas, mais on vous donnera la raison. En vrai, on l'a déjà plus ou moins donné, c'est littéralement ça, quoi. C'est juste les matchs, quoi. Mais ouais, en tout cas, c'est dû à qui a gagné contre qui. Mais j'aimerais bien savoir précisément comment ça a été défini tout de même. C'est d'accord avec ça. Ah, petit dire top de Mirwin au passage, qui continue de jouer des champions qui sont un peu particuliers, même si maintenant on est habitué à avoir du dire contre Cassanté. En fait, moi ce qui me terrifie, c'est que je pense que Matt va perdre cette game. Ouais, tu vois, si Matt gagne la game, je trouve ça passe, c'est clean, c'est respectable, c'est comme Genetics, tu vois, ça passe, c'est clean, c'est respectable et c'est sublime. Ça passe avec de la confiance dans les BO3. C'est vrai ça. Si il gagne en plus contre Static, c'est giga beau jeu et on aura rien à dire. Le problème, c'est que ce serait complètement réglé. Ah là, le truc, c'est que les Mads ont une draft similaire, je trouve, à celle des SK la game d'avant, où ils ont la rel qui compense. Mais tu vois, cette draft où chaque pick en a besoin d'un autre pour le setup, et au final, il ne se passe rien. Tu te fais gratter petit à petit et tu perds en 27 minutes. Parce que là, il y a cette rel, donc il y a quand même moyen de créer du jeu côté Mad. Mais bon, en face, c'est Fnatic avec une compo, compo 4 étoiles. Hein. 4 étoiles ou 5 étoiles, la compo Fnatic. Franchement,
franchement, il y a beaucoup de choses. Hein. Je reste sur 4 étoiles parce que ouais. Kaiser actuellement, c'est pas Kaiser Lona. Faut oui, faut quand même vraiment passer devant. Et ça s'intègre tellement bien, enfin ouais. Ça se combine tellement bien avec le reste. Ouais, je suis d'accord. Elle est très belle leur composition. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup dans le Kaiser Lona, c'est qu'ils peuvent décider d'arracher la Renata Perma. Tu vois, tu sais, quand tu peux vraiment vraiment attraper la Renata, bah tu l'empêches de. Tu l'empêches d'exister en tant que Renata quoi. Renata, tu veux être tranquille, pas te faire déranger pour mettre tes spells et tout. Et là, quand tu ulti Leona et Kaisa, c'est pas si simple que ça. Ah non. En tout cas, le very early se passe pas trop mal. Ils ont failli prendre une plate à 2 minutes, à vie. C'est peut-être un petit peu abusé, mais c'est très bien joué de la part de Supa et Alvaro qui ont dû très très bien gérer leur wave pour se faire. Bon, à peine, on a été habitué un petit peu à ce match-up, ça veut dire qu'ils dominent. Le cas santé dans les débats, dans les premiers échanges. Attention, on joue peut-être trop agressif du côté du Manoïde. On va prendre le bisou et on est foutu. Il n'y a plus de face rush en plus pour cette Taya. Et c'est un premier sang pour Fresco. Oui, c'est terminé. First Blood sur la Harry. Très très bonne nouvelle pour les MAD. Surtout que duo Rel-Harry, c'est le genre de duo où t'as pas envie de te retrouver derrière. C'est important que ta Harry ait des golds un peu à l'image des classiques Vi-Harry, tout ça. Donc franchement, le First Blood est royal. Et ça back avec un Dark Seal, avec des bots. En légende. Ah, mais l'explication est logique en vrai. Ça y est, c'est bon, on a enfin la bonne explication. Ah, attention, attention, Alvaro qui se fait peut-être rattraper par Fnatic. C'est simple. Mad Lions a tout simplement un meilleur head-to-head, peu importe ce qui se passe, avec les équipes avec lesquelles elles sont en tie-break, c'est pour ça qu'elle va passer. Ok. En premier. Et du coup, il y a bien des head-to-head du coup. Il y a des head-to-head, en gros, il y a des head-to-head pour tout, sauf pour quand il y a un tie-break à 2, genre 7ème, 8ème. Enfin, tu sais, à la 8ème place. Ok. C'est ça le truc. Mais le 7ème, 8ème, de toute façon, c'est enfin, non, mais les mecs qui passent pas, le 8ème, 9ème, pareil. Ouais. Ah, ok. Oui, je suis un peu honnête. Ah, donc il y a bel et bien des. Bah, non, du coup, bah, c'est ce que la régie vient de me dire, c'est ce que la régie vient de nous dire, je sais pas rien, moi. C'est un for Riot et ils ont le meilleur head-to-head. Mais c'est tout de même important qu'il n'y ait pas de tie-break. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais entre 8 et 9, parce que là, ça aurait été un peu abusé, tu vois, que ton split se joue là-dessus. Mais c'est pas. C'est aussi, je sais bien que Carmine Corp a battu les MAD la team. Sauf que Carmine a perdu contre Rogue et a perdu contre SK. Donc ils sont 1-2. Et du coup, juste MAD doit avoir un 3-0 ou un 2-1. J'imagine qu'ils ont un 2-1 pour eux. Ouais. Ils ont un 2-1 et il n'y a pas d'autre 2-1. Mais comment ça, il n'y a pas d'autre 2-1? Mais il y a des trucs trop bizarres. Je n'y après, peut-être qu'il y a un autre 2-1, mais que la personne qui a ce 2-1 a perdu contre. Bro. Contre MAD, tu vois ce que je veux dire? Je pense c'est que c'est ça le scénario. C'est ça, bah c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il peut pas y avoir des 2-1 et des 1-2, ce serait juste pas logique, mais en gros, le fait que. Dans le truc à 3 équipes, quoi, à 4 équipes, les MAD sont à 2-1, donc ils ont perdu contre la KC, ils ont gagné contre les autres. Et l'autre équipe qui est dans Rogue, ce tie coup, qui est en 2-1 a sa seule défaite contre MAD. Donc MAD passe très légèrement au-dessus, bon, c'est relativement tiré par les cheveux et frauduleux, mais voilà l'explication. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. C'est comme ça que c'est. Et le chat livré Rock 2-1 mais a perdu contre Mad. Voilà. Voilà. Super bien expliqué Marax, tu l'écoutes. Bon maintenant on va casser la game, bordel de merde. Hein, allez, ça m'a saoulé. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est pas normal. Les choses ont été tirées au clair au moins. Exactement, on a les règles exactes. Et on a un petit Lula qui vient shipper un camp pendant qu'on a fait les grubs du côté de Razork. Et des mods qui de toute façon, au pire, on en parle, Madlands va peut-être gagner la game et ciao bye. Tout à fait. Tout à fait, pour l'instant leur liste se passe assez bien. Drake qui pourrait être récupéré. Plus les MAD ont besoin de la gagner cette partie, c'est quand même une équipe qui, allez, avec les résultats du dernier split, le système de points, peut prétendre éventuellement à aller au MSI s'ils se réveillent. Mm-hmm. Faut se rassurer sur ce match et finir sur un sympathique 4-5 et pas un frauduleux 3-6 en passant grâce aux règles sur le film. Et de l'autre côté, pour Fnatic, faut sécuriser une première place saison régulière. Et puis, faut aussi montrer que même s'il y a eu des petites maladies récemment, il y a eu des petits arrêts dans le niveau de jeu où Fnatic n'a pas été toujours au niveau de ce que l'on attend d'eux sur ce dernier week-end, on va voir aussi un Fnatic qui joue très bien. Un Fnatic, eux aussi, capable d'aller chercher au MSI. Ah, peut-être des équipes asiatiques, hein. Cette équipe, l'air de rien, avait pris une game, pris un Nexus à l'équipe vice-championne du monde. C'est bien vrai. Ils ont pris un Nexus à Web. Une sacrée stat. Attention, nous avons une équipe solide dans la feuille de l'invocateur ici.
Ah, des Fnatic qui vont vouloir aller attaquer sur le bot side, maintenant attaquer une Renata avec une botlane qui a tous les summoners de up, c'est pas forcément facile, on va voir s'ils y arrivent ou non, peut-être sur un facile de Alvaro par exemple. Oh, ça fait échec, mais ça tient. Ah, y a de quoi encaisser quand même avec le gardien, le heal qui est joué dans cette botlane assez safe, la cleanse. Plutôt pas mal contre Leona. Mais là pour l'instant ça chill, bon ça doit claquer le flash pour la Renata, mais il y avait encore de la réserve, ils sont quand même limités dans leurs options, les Fnatic. Dans ce 2v2 sera plutôt plus tard dans la game en, oui, en des 3v3, 4v4 que là la Renata pourra vraiment facilement se faire catch. Que Zeri ça va pas être simple avec les outils qu'ils ont, les Fnatic mine de rien. C'est vrai que Zeri a une game relativement fraîche. Ouais. Hein. En plus comme c'est le meilleur ADC by far d'Europe, je pense que c'est vraiment tout droit hein, pour la Zeri, je suis pas dans cette game. Il a une frontline relativement convaincante avec ce Udyr et cette Rell. On va voir s'ils arrivent à la faire fonctionner leur composition. En tout cas, on a un early game relativement calme. Tout à fait. Allez, Matt qui gagne du terrain petit à petit. On a un early quand même assez clean de leur part. L'Infernal qui a été récupéré très tôt. Deux plates de gratté pour l'instant. Enfin, ça me surprend un peu, tu sais, que le Renata Zeri Heal Clan soit en train de chill là, gratter des plates et tout. Très bon. Avec Leona, quand t'arrives pas à déclencher, tu regardes les adversaires te gratter quoi. Une Renata, ça peut gratter hein, si ça a la place pour. Et au top, ça avance aussi sur les plates. Bon vieux Udyr Golemique qui a déjà mis la tourelle midlife. Aïe, ça fait très très bien Mirwin. Tous les matchups qui sont un petit peu particuliers, qui sortent de l'ordinaire, très souvent il arrive à avoir un petit avantage dedans. Après là pour le coup il est vraiment en sa faveur ce matchup. Mais Oscar au moins en termes de farming ne passe pas du tout derrière. Tient largement la route Oscar Hélin qui est un des top laners qu'il va falloir surveiller. On a parlé en pré-show de Photon Broken Blade. Je pense que Oscar Hélin aussi est dans la liste de ceux qui pourraient concourir au fait être l'un des meilleurs top laners en Europe. Et d'ailleurs il fait un superbe combo de Cassanté qui ne sert à rien. Ah, il y a juste son dernier match qui était OMG un petit peu low. Par contre ceux d'avant il avait été exceptionnel. On a un fight ici, très bon stun de la part d'Iluya. Fresco oui qui follow up très bien, mais c'est tanké en face, c'est un Volibear qui va ulti et peut-être turn ici. Quoique non si ça passe, peut-être ça turn sur Iluya qui va tomber, mais il a le revive de Renata dans le pire des cas. Et ça qui ne sera pas déclenché à temps malheureusement. Fresco oui qui réengage, qui touche le charme, le CD recule, le Q-spell touche, le red buff, les auto-attaques, ça fait mal. Oh. Et Lucien, les auto-attaques avec le red buff qui ne vont pas suffire. La potion du manoïde qui le maintiendra en vie. Bon, très bien joué de la part de Fresco qui fait une superbe game pour le moment. Oh là, les 4 packs de Dark Seal. Ces petits pas étaient aussi très intéressants sur la poussée tellurique de humanoïde. Attention à ne pas rester trop longtemps par contre, les mads ici. Razork et June reviennent. Il a envie de toucher ce petit charme sur humanoïde, mais il est au courant et c'est June qui va toucher avec sa lance. Ça devrait être un kill gratuit récupéré par humanoïde ici. Est-ce qu'on peut continuer pour le volley et la Leona? Pas du tout, parce que Yulia est présent. On a un petit peu trop chill sur la mid lane du côté d'Alvaro. On s'est fait directement punir Oscar Hélin. Est-ce qu'il a l'inspiration de venir chiller dans ce buisson? Oui, évidemment, mais il n'a probablement pas la mana de venir à bout de ce Udyr. Les mads qui se mettent très très bien, en plus la Harry qui va avoir le temps de dépenser tous ses golds pour être bien en place pour le prochain Drake, tout en ayant aussi récupéré son ulti. C'est très solide. Par contre on a une Zeri qui est placée au top, ce qui peut paraître un peu curieux. Ah, c'est l'heureux de la faille, il y a peut-être beaucoup de valeur pour les mads, peut-être qu'ils avaient aussi un timing de wave intéressant. Après on est tôt dans la game encore, ils peuvent peut-être jouer les deux aussi. Ils peuvent peut-être sécure les grubs, clear la wave top et après courir bot side, hein, pourquoi pas en soi. La santé pourrait se retrouver un peu stuck, il est en train d'effectuer son back. C'est même ce qui a l'air de se préparer, regardez Alvaro qui est plutôt vers le bas de cette river. Et oui, c'est bien ça. J'aime bien. Je pense que c'est bien parfois de savoir sortir du fameux standard de je dois absolument récupérer toutes les waves en early, je dois récupérer celle-là, tu vois. C'est bien. Après, bon, ils vont arriver un petit peu tard, ici Harry est pas encore là et... Il y a une TP, hein. On saisit l'opportunité rapidement. Il y a une TP de la Harry, c'est un petit peu tardif par contre. Razor qui va ulti out directement, Emmanuel qui est en difficulté mais qui met bien son ultimate. Oh, l'interception de Yoya, elle est sublime. Est-ce que Yoya peut tanker assez longtemps pour que ses coéquipiers fassent cette chance? J'ai l'impression que oui, avec Fresco oui, qui a un flank absolument magnifique. Flank de fou furieux, il touche tout, il met tellement de dégâts, prêt à prendre les resets un par un. Mais pas besoin, tout le monde est déjà mort. Très bon travail des mads, pas de dragon mais des ennemis punis.
Et il n'y a pas de solution ici, en ce cas il n'y a pas de TP, on essaie de toucher un bison, on se loupe un petit peu du côté de Fresco. On essaye de burst pour Noah et June, mais je pense pas qu'il puisse y faire grand chose ici en 2 contre 5. Les CC s'enchaînent et les kills aussi pour les Mad Lions. Ah, ils les ont allumés avec encore plus de gold sur cette tourelle. Ça les met superbement bien parce que, encore une fois, les kills vont sur la Harry et sur Zeri qui en avait besoin. 1000 gold d'avance sur chacun des Karim Mad, c'est vraiment le top, surtout avec cette draft. Qui a besoin de pas se retrouver derrière pour avoir un minimum de dégâts. Mmh. Pour l'instant, tout se passe vraiment comme prévu. Par contre, il fait une vraie bonne guerre. Lui se régale. Attention à Oscar Inin, t'en as parlé. Ce joueur, quand il est devant, il peut vraiment faire des folies. Pour moi, il faudra quand même être extrêmement prudent. Hein. La draft de Fnatic reste très explosive. Pas le droit au throw ici, pas le droit au misstep. Pour Fresco, ne surtout pas donner ce vilain shutdown qu'il a actuellement. Ah, le problème, c'est qu'ils ont une draft qui est censée être OP vers, vers 15-20 minutes. C'est avec le ulti volley, Kai'Sa et tout, tu peux accélérer facilement. Et là ça va être dur quand t'as 6 kills sur les carries adverses à ce moment-là et que t'en as 1 sur les tiens. Cette Talia, elle va mettre du temps à démarrer. Hein. Elle est là avec ses Mercure, sa tire, 2 morts, c'est pas super simple. En plus, la Harry a 9 stacks de Dark Seal. Ça rigole pas. Ça veut dive sur la mid lane, c'est plus Leona, mais il y a de quoi la fumer sans aucun souci. Elle est déjà morte. On a du mal à bien assigner les lanes du côté des Fnatic. On se fait surprendre. Une Leona qui est laissée toute seule sous une T1 mid lane, qui se fait récupérer facilement, récupère en plus beaucoup de plaques. Pour les Mad qui s'en mettent ici plein les poches et on va forcément pas ralentir. On enchaîne sur le blow-buff du côté de Lioia. Et Razor qui est quand même présent pour défendre, mais il a pas de vision sur les coéquipiers de la Yoï. Tout à fait. Mirwin, est-ce qu'il peut. Non, il arrivera pas à récupérer cette tourelle avec plaque. Il va être cancel ici, c'est vraiment le duel au sommet de League of Legends. Hein. Top lane. Le Udyr contre Kassanté, Tabi contre Mercure. Ah, je sais pas qui va récupérer cette T1 qui va grid un petit peu, mais il va l'avoir après 14 minutes malheureusement pour lui. Mais tout de même, c'est une T1 mid lane qui tombe pour les Mad. On récupère un héros de la faille en réponse, mais il y a déjà une Harry qui est en train de push une T2 qui est en train de deny du farm. Et du coup, c'est la Sentender First Turret alors qu'il y a déjà deux tourelles qui sont tombées sur la map, c'est ça? En vrai, ça fait plaisir. Je pense que. Le placement de produit a peut-être été oublié. Du coup, ouais, le mec. Il a vraiment écrit ça? Ouais. Ah non, je pense pas qu'il ait été oublié parce que à chaque fois j'y fais attention parce que la tourelle, enfin le visuel de la tourelle est grotesque. On dirait un droïde de Star Wars. C'est genre tout le temps la first tourette du coup? Je sais pas, mais là, je me suis juste fait la réflexion aussi. Mais attends, il y a déjà eu des tourelles qui sont tombées dans la game. Vu qu'on en a parlé juste avant. Enfin bref, et d'ailleurs cette tourelle qui veut être abattue, mais avant ça il faut passer sur Humanoïde Mirwin qui est pas loin de trouver les dégâts. Il va se prendre la poussée, cela dit Humanoïde ne prendra pas le kill, s'il le prendra grâce au flash finalement. Très bien joué. Les nerfs solides et l'archange qui va se stacker au passage. Cette Talia est de retour, traitons deux stacks de Dark Seal, petit archange, petit kill, ouais. Ça repart. Et c'est très bien pour Fnatic puisque c'est important de récupérer des golds sur cette Talia. Il a vraiment un super champion. Pour jouer contre la composition en face, il peut totalement surprendre une Zeri ou une Harry qui se montrerait un petit peu trop pas agressive. Deux items par contre, un sursuit pass, c'est forcément terrifiant pour les Fnatic qui vont avoir énormément de mal à gérer cette Zeri. Oh que oui. Ah, ils sont dans une très bonne posture. Oh, Jun, il s'en sort de peu. Hein. Et les REL qui fonctionnent à merveille aujourd'hui. Attends, ce pique est tellement fort en jungle quand la game se passe bien. Et là tu peux engage, tu peux recevoir, tu peux face check. T'as beaucoup de dégâts mine de rien avec si tu prends en compte les breeze shield et tout. C'est trop fort. T'inquiète de fou hein. Et puis c'est flexé en draft en plus. Donc tu peux être proactif early avec, il y a vraiment beaucoup de points forts. Enfin, moi perso, je trouve que c'est le meilleur jungle à TM. Avec Voli mais bon. Ah non mais. Voli, il y a le côté un peu plus récent, toutes les équipes n'arrivent pas forcément bien l'utiliser. Moi même en comptant Voli, mes préférés c'est Xin Zhao et Rell. Ah, Rell c'est... Avec Rell qui est peut-être. En plus Rell. L'avantage, les smites avec son Q. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est un argument qui, pour moi, devrait être quasiment aussi puissant qu'un Q-spell de venu. Et c'est vraiment très très fort pour les objectifs neutres. Surtout en compétitif, on voit de plus en plus de un petit peu de flip. Mais du coup, quand tu as Rell, c'est pas un vrai flip. Ouais, parce qu'admettons, t'es. Oh, attention ici, Manoïde qui va sans doute se faire attraper. Il vient de flash juste avant pour tuer Mirwin. Et
C'est Mirwin qui se vengera aux côtés de 3 de ses coéquipiers. Kill sur Alvaro. On n'est peut-être pas très content du côté de support, on aurait bien aimé le récupérer celui-ci, continuer d'accélérer à 7-0, mais bon, si on peut récupérer la T2 botlane, ça fait clairement une différence en termes de gold. La T2 botlane ne sera pas défendue par des Fnatic qui préfèrent essayer d'aller chasser Fresco. Oui, mais il n'y a rien à faire là. Ils vont forcer l'ultimate, oh, il a ulti un petit peu tard, Fresco, oui, est-ce qu'il va tomber? Non, le Vrace, non, ça va. Il tiendra le choc, mais il a pris sacrément cher. Tu as un volley, tu cours dessus, tu as un ultimate de Harry. S'il te plaît, utilise-le. Il a peu dosé. Il aurait pu il aurait pu perdre ses stacks de Dark Seal, tout ça, son shutdown. June aurait été dramatique. Qu'est-ce qu'il nous fait, June? Qu'est-ce qu'ils nous font, les Fnatic? En tout cas, les Mad Lions sont en train de se régaler. C'est très très facile de prendre ce fight sur la mid lane. Super qui bombarde avec Sazeri. Il est en mode Pikachu, mais il va tout de même tomber puisqu'il y a Kassel. Parce que le flash est de le reset. Super qui prend triple kill, le meilleur carrière des d'Europe, qui récupère un quadra kill. Et il y a peut-être le Penta à aller chercher sur Humanoid. On va le préparer évidemment pour Super. Oh, le charme est-il, le charme touche, c'est peut-être le Penta kill. Le charme a touché. C'est un Penta kill pour Super sur Sazeri. Bon, pentakill de sa part, il a bien joué le coup, il a bien été couvert par ses coéquipiers. Et de toute façon, ça va être tie-break ou pas, on s'en fout, les maths sont en train de détruire les Fnatic ici. Oh, le regain de confiance avant les playoffs. Game n'est pas encore terminé, mais là, voilà. Que ce soit dans l'avance en termes de chiffres ou dans la dynamique de la game, ça ne rigole pas. La chaîne ultimate d'Alvaro était vraiment très très propre. C'est plaisir ce petit instant replay. Proview. Très bon flash in pour prendre le kill sur la Leona et pour avoir le reset. Et après, c'est juste offert par son équipe par un très très beau charme de Fresco. Et Fresco, d'ailleurs, à la manœuvre encore une fois sur Noix qui a des bons mouvements, mais qui prend beaucoup trop de dégâts et qui n'a absolument aucune solution. C'est une game sans pour le carry AD coréen de Fnatic. On enchaîne pour Fresco. Heureusement qu'il y avait la talette de Humanoid pour couvrir ses coéquipiers. Ah, les Fnatic sont en train de couler dans cette game tout simplement. Les Mads ont la volonté d'arracher la game à vitesse grand V. Pas de dragon ici. Ça se positionne directement sur le top side. C'est vrai qu'ils ont déjà récupéré la T2 bot. En plus, ils ont tellement de gold d'avance. Ils sont à 8K d'avance à 19 minutes. Ah, c'est ridicule, non? Après, je tiens à dire qu'il y a une petite fraude. Oui. De mon point de vue, ce Udyr à 140 CS à 19 minutes a un petit peu une fraude cachée derrière les GOAT Mad Lion sur cette game. Ouais. Après, il a dû. Il attend pour le stream. Il a dû bouger de sa top lane vite fait sur le swap, mais bon, il a perdu une wave quoi. C'est juste qu'il prend 60 CS quoi. Après, bon. Le reste, ça se passe plutôt très c'est très vrai, bien. C'est vrai, il y a 3 items sur ce. Ouais, non, Connex. Après, vraiment, sur le swap et tout, il s'est fait prendre un peu de wave parce que les Zeri et Harry sont très élevés, tu vois. Enfin, surtout Zeri. En termes de CS. Mais ouais, en vrai. C'est vrai que 140, bon, un petit 160 on aurait pu comprendre, mais 140 il y a eu un petit souci. Et avec Udyr, il me semble que tu ne rates pas vraiment les CS en lane. Non. Tu envoies un ouragan qui les récupère. Ah, pour Fnatic, on essaie de répondre un petit peu sur la télé top lane, essayer de faire tomber un petit shutdown. C'est bien joué de la part de Humanoid ici. On récupère quand même quelques golds qui vont faire du bien. Mais c'est autour du Baron Nashor qu'il va falloir résister et ça va pas être simple du tout pour le orange et noir. Tréton, pourrais-tu me donner un avis rapide sur le stuff de la Zeri à ce stade de la partie? Eh bien, je pense très sincèrement que si j'étais en scrim actuellement, je demanderais tout simplement de remake. Ok. J'arrêterais de jouer. Ça marche. Et en solo queue. Merci pour cette réponse. En solo queue, je peux te dire que je ne serais déjà plus dans cette game depuis 5 bonnes minutes. Moins que quelqu'un ait cliqué sur non lors de ton FF vote. C'est bien en possible. Vrai, tu lances pas trop d'FF vote. C'est rare. Mais ça, pour le coup, ça peut m'arriver. Moi, je ne suis pas contre le FF, je suis un partisan du FF. Je pense que sans la FF. Il faut doser quoi. La toxicité augmenterait, mais il faut doser évidemment. Mm-hmm. Bah, FF, c'était à 2000 gold de retard. Et là, tu vois, cette game là en vrai, tu te dis, tu seul shutdown, il y a des beaux shutdowns à se prendre, c'est pas encore totalement FF. Ouais. Même si c'est très difficile, c'est pas totalement. Il y a encore un petit truc. Pour attraper les carries, il y a des shutdowns de 1000 gold dessus. Mais bon, ce Nashor, s'il est bien utilisé, sera le cercueil des Fnatic. Ça avance sur cette top lane. Ils ont bien raison d'accélérer parce que ça chill au bot. Côté Fnatic, ils ont récupéré la tour du moins. Humanoid.
Bah, Madrid, que fais-tu à te présenter tout seul ici? Peut-être que c'est le GOAT, peut-être qu'il va rester à temporiser, mais pas du tout, c'est encore un kill pour Supa qui est légendaire. Ah, audacieux, hein, face à Rel. Rel peut tanker le monde. Et là, sans humanoïde, bah, qui va wave clear Tréton? Eh bien, déjà qu'avec lui ça aurait été compliqué, mais là on va pas se mentir. 2 T3 récupéré à peine 30 secondes après le Nash, c'est quand même une sacrée dingue. C'est quand même une folie, c'est quasiment une fin de game. Hein. Si Fnatic troll un peu et s'avance trop, s'il y a un ou deux kills en plus, c'est fini. Hein. Là c'est terrifiant, il pourrait même reset et siege avec le Nashor, avec les super creeps qu'ils auraient fait, ça n'a aucun sens. Ah, mais Fnatic veut fight, ça se voit là. Dans le moment de Razor Kejun, ici c'est le dernier moment. C'est maintenant ou jamais. S'ils back, ils ont des items. Ok, oui, parce qu'après, il y a, comme tu l'as dit, les items et la marée de CS qui va arriver. Du coup, ça déclenche. C'est peut-être maintenant. Oh, Mirwin, il va ghost. Et pour le tuer, c'est peut-être possible, mais ça va mettre très longtemps. Surtout qu'il a 16 steps la poussée. Donc, il n'y aura pas de kill. Il y aura juste un Edur qui se casse et un humanoïde qui prend des notes. Interaction de fou. Mais pendant ce temps-là, les super creeps sont arrivés de la base. Les items ont été récupérés. 3 sur Ahri, 4 sur Zeri. Et là, c'est tout droit. Et ils vont même pouvoir utiliser ce Nashor avec les super creeps qu'ils ont récupérés avec ce même Nashor. Ce qui est relativement terrifiant. Oh, c'est vrai que là. Parce qu'il reste littéralement une minute sur ce Nash, 1 minute 5. Ah, c'est... En vrai, ça me fait plaisir d'avoir parlé pendant toute la draft. De poser le tiebreak pour que Madden s'éclate ouais. Fnatic en 25 minutes et ne leur laisse absolument aucune chance. Tout qu'ils sont, ils sont bons, ils montrent vraiment de belles choses, même si forcément pour Fnatic ce match est moins important. Est dur à prendre au sérieux à 100%. Oh, le flash in tout de même, on met tout sur Supa, mais Yannick Lens évidemment pour temporiser. Alvaro qui flash in avec son ultimate de Renata. Oh, Fresco, oui. Les dégâts vont arriver. Fresco qui est en superbe flanc. On a déjà eu un kill pour la Zeri et peut-être beaucoup plus. Double kill, triple kill. Peut-être un deuxième Painter dans la même game pour le GOAT européen de la TC. Est-ce qu'on laisse? Non, pas du tout. Fresco, oui, mais lui aussi une part du gâteau. Et il va venir manger le pauvre noix qui n'avait plus rien. Et maintenant, Skyrenin a force à lui, mais c'est qu'à santé. Oh, qu'à santé gaming qui gagne du temps et qui abat la REL. Mais bon, 3 joueurs MAD et 20 CS MAD devraient terminer cette partie en 24 minutes, ce qui est quand même assez dingue. Tout à fait. Les MAD avec leur forme récente, les Fnatic qui ont fait de très bonnes games, censés être une équipe terrifiante dans le LEC. Fnatic, terrifiante, censés terrifiant dans le LEC, se sont fait 24 minutes par les MAD. Ah, ce week-end, c'était pas forcément le week-end de Fnatic, loin de là. Les Mad Lions valident leur place, mais c'était déjà fait avant même que cette game ne soit jouée. Ils envoient un petit message à tous ceux qui leur avaient bien tapé dessus sur leur série de défaites. En même temps, bon, ils arrivent... par rapport à la finale à laquelle ils ont participé, leur début de Spring Split était assez low. Ils arrivent confiants en play-off, ils passent pas par la petite porte, etc. Juste, ils sont là, ils sont confiants pour les play-offs, ils ont fait une très bonne game contre Fnatic. C'est une équipe qui va faire un petit peu peur parce qu'au Winter, ils ont quand même été relativement convaincants. Ouais. Donc les Mad Lions se font tout simplement respecter en LEC avec un très très beau pentakill de Supa, une très belle exécution avec une Zeri qui a bien fonctionné. Clairement, on ne s'attendait pas à une dinguerie vis-à-vis des enjeux de la game, mais cette partie perso m'a satisfait, c'est plaisant. Ouais, c'était clean, c'était très très clean. Et pour en parler, on va évidemment retrouver le plateau Lore, Twix et Noix après un tout petit temps d'écran d'attente. C'est ridicule.